Il a plu ce matin à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de convoquer ce cadre informel, qui se dit cadre interinstitutionnel, où le Président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'est agi principalement des questions sécuritaires, parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Et ce sont des questions qui lui sont chères. Et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août et qui s'est achevée le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les caps, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes question. Donc, c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Arrivés tour à tour à l'hôtel intercontinental de Luanda, lieu choisi pour ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC ont eu une journée assez chargée. Entretiens, réunions à huis clos et allocutions ont marqué ce conclave. Mais les moments les plus attendus étaient sans doute la passation des pouvoirs entre les deux présidents, l'entrant et le sortant. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a officiellement remis l'insigne de la présidence de la SADC au président angolais João Lourenço. À vous, chers frères, João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président entrant de la SADC, au moment où je vous cède le fauteuil de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe, je suis convaincu que notre programme de développement régional atteindra de nouveaux sommets. Je vous cède donc fièrement la présidence de cette organisation avec beaucoup d'optimisme quant à son avenir prometteur. En guise de bilan de son mandat, le président Tshisekedi a salué la mobilisation de la SADC pour faire face aux défis sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation s'est également ressentie dans la décision courageuse prise par la communauté lors du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADC le 7 mai dernier à Windhoek, en République de Namibie, et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMIDRC en sigle, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez si bien, la résurgence dans la province du Nord Kivu du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Le chef de l'État a rappelé les conséquences tragiques de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le peuple congolais, dit-il, garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité des FRDC, forces armées de l'RDC, à venir à bout de l'ennemi. Le président Tshisekedi souhaite par ailleurs que l'appui annoncé de la mission de la SADC en RDC soit tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté aux forces armées et de défense du Mozambique. Après ce 43e sommet, rendez-vous en 2024 pour la prochaine rencontre. Président sortant de la SADC, le chef de l'État Félix Tshisekedi va officiellement céder son fauteuil à son homologue angolais, João Lourenço, ce jeudi au cours de ce 43e conclave. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement est l'instance supérieure de la SADC qui s'est réunie annuellement pour définir la politique de cette organisation sous-régionale. Cette année, le thème choisi est « Capital humain et financier ». Les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de l'Afrique australe. Avant le début de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a pris part mercredi soir à un autre sommet, celui de la Troïka de l'organe de la SADC qui a pour responsabilité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont eu lieu à huis clos. C'est le 17 août 2022 que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait pris les rênes de la présidence de la SADC devant ses pairs. C'était à Kinshasa lors du 42e sommet qui avait pour thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agrotransformation, l'enrichissement des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ». À l'ouverture ce jeudi du 43e sommet, le président Félix Tshisekedi fera, dans son allocution, le bilan de son action à la tête de cette organisation sous-régionale. Ouais. À demain. Merci. À demain. Président sortant de la SADC, le chef de l'État Félix Tshisekedi va officiellement céder son fauteuil à son homologue angolais, João Lourenço, ce jeudi au cours de ce 43e conclave. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement est l'instance supérieure de la SADC qui s'est réunie annuellement pour définir la politique de cette organisation sous-régionale. Cette année, le thème choisi est « Capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de l'Afrique australe ». Avant le début de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a pris part mercredi soir à un autre sommet, celui de la Troïka de l'organe de la SADC qui a pour responsabilité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont eu lieu à huis clos. C'est le 17 août 2022 que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait pris les rênes de la présidence de la SADC devant ses pairs. C'était à Kinshasa lors du 42e sommet qui avait pour thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agrotransformation, l'enrichissement des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ». À l'ouverture ce jeudi du 43e sommet, le président Félix Tshisekedi fera, dans son allocution, le bilan de son action à la tête de cette organisation sous-régionale. Ouais. À demain. Merci. Au Palais du Peuple ce lundi, les participants étaient unanimes sur la convocation de cette table ronde sur l'état de siège. Vous savez, le président de la République avait, en vertu de la Constitution, déclaré effectivement l'état de siège parce que l'état des institutions était menacé et la République était menacée dans cette partie du territoire. Et à un moment donné, lorsqu'on a pris une telle décision, le président de la République a estimé qu'il fallait consulter également le reste de la nation, les forces représentatives pour faire l'état des lieux. Nous avons un président qui est à l'écoute de son peuple et à ce stade, il veut savoir ce que pense la population de cet état de siège. Les forces représentatives des provinces concernées saluent à juste titre les efforts fournis par les autorités, le président de la République en premier. Comme vous le savez, les femmes restent les premières victimes dans la situation de manque de paix et de sécurité. Nous tenons d'abord à remercier les autorités pour avoir organisé cette table ronde afin que nous puissions participer à ces assises et parler au nom de la population. Pour ce qui est comme avancée de l'état de siège, il y a des améliorations dans certains coins. Mais sur le rôle régalien
qui est désécurisé, qui est chargé des opérations militaires et tout, la situation n'a pas pu changer. Et c'est ça le plus grand défi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus, afin que nous puissions donner le message de la population qui est de lever l'état de siège. Pour autant que l'insécurité reste encore criante, la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri souhaiterait à ce que la paix revienne. D'autre part, il y a les élections qui pointent à l'horizon et on ne saurait pas organiser les élections pendant que nous sommes encore en état de siège. C'est encore une autre problématique. Et je me dis que c'est la raison pour laquelle Son Excellence Monsieur le Président de la République nous a invités pour parler de ce genre de questions afin qu'on trouve des solutions. Mesures radicales mais nécessaires pour juguler rapidement les groupes armés et rétablir la sécurité, l'état de siège, après plus de 50 prorogations, subira assurément soit un maintien, une requalification ou carrément une levée, pure et simple. L'Église du Christ au Congo, conformément à sa mission évangélique et prophétique, tient à l'accompagnement de la nation congolaise vers sa destinée de pays béni de Dieu. Ainsi, après l'organisation de son synode électif du comité exécutif national, les responsables de l'Église du Christ au Congo, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, conduits par le nouveau président réélu, Mgr André Bukondoa, sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les conclusions de leurs travaux tenus vendredi 11 août à la cathédrale du centenaire protestante. Après tous les travaux, les élections et tous les travaux, nous avons voulu venir voir le président de la République pour lui présenter les résultats de notre synode. Il y a eu un mémo, aussi bien que notre déclaration finale. C'est pourquoi nous avons réservé la première au président de la République. Et dans cette déclaration, il y a toutes ces questions-là qui touchent à la vie de notre pays. Les élections, nous les voulons apaiser. Et c'est pourquoi nous appelons à tous les Congolais, nous demandons à tous les Congolais pour que nous ayons des élections vraiment apaisées, aussi bien qu'inclusives. Le synode, une assemblée d'évêques délibérant sur des questions touchant à la vie de l'Église, a émis le vœu de voir le pays évoluer dans l'unité et la réconciliation des populations pendant cette période cruciale préélectorale. La deuxième et dernière journée des travaux du sommet sur l'Amazonie à Bilém au Brésil a été marquée notamment par les interventions des chefs d'État invités aux assises des pays signataires du pacte de ces bassins forestiers poumons de la planète. Le premier invité à prononcer son allocution, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans un langage clair, démontré que la République démocratique du Congo demeure un pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Elle a un rôle crucial à jouer avec les pays de l'espace de l'Amazonie dans la régulation du système climatique mondial. Les forêts de la République démocratique du Congo hébergent une faune et une flore riches et endémiques. Elle joue un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial, au même titre que la forêt amazonienne. En effet, la République démocratique du Congo est le deuxième massif forestier du monde. Avec ses 155 millions d'hectares de forêt qui couvrent l'équivalent de 67% du territoire national, mon pays représente à lui seul près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% des forêts africaines et environ 60% de celles du bassin du Congo. Le massif forestier de la République démocratique du Congo séquestre également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont les trois quarts sont concentrés sur 43% de la superficie du pays. À cet énorme massif forestier s'ajoutent de vastes étendues de tourbières couvrant environ 101 500 km² du territoire national. Son atout principal demeure sa capacité d'absorption de carbone, qui se chiffre à près de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 4% des émissions mondiales.
Le président de la République a salué la tenue de ces sommets élargis qui vient de mettre en lumière le pas décisif marqué par la République fédérative du Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie, ayant abouti à l'adoption le 14 novembre 2022 à Bali à la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique entre les trois pays. Pour le chef de l'État, cette alliance tropicale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique servira désormais de cadre de concertation, de partage d'expériences, d'échanges et d'actions sur les questions cruciales liées à la forêt et à la biodiversité. L'Alliance pourra formuler des propositions concertées, notamment celles ayant trait au marché des crédits carbone, a conclu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous les applaudissements de l'assistance. Un autre moment fort de la visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Belém, au Brésil, ce sont les rencontres bilatérales à marge du sommet sur l'Amazonie. Le chef de l'État a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue du pays hôte Lula da Silva. En toile de fond de leurs échanges de plus d'une heure, les perspectives immédiates de coopération bilatérale entre la RDC et le Brésil et les sujets d'intérêt commun, dont notamment la mobilisation pour la préservation des forêts tropicales ainsi que des questions de politique internationale. Au cours de cette entrevue, le président du Brésil a confirmé son arrivée prochaine à Kinshasa, où il va participer au sommet trilatéral RDC-Brésil-Indonésie sur la préservation des forêts tropicales. C'est au terme de ces échanges fructueux avec son homologue de la République fédérative du Brésil que le président de la République a clôturé sa visite au travail de 48 heures dans la ville portuaire de Belém. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. J'ai cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve. Mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, publication démarre. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 points. Mais avant les publications, les lauréats seront disponibles pour plusieurs années. C'est 28-8-2023, présent dans le rang 2860, l'officier supérieur des semaines, colonel diplômé d'état-major, Modeste Ben Panga. À mon pied, répond. À vos ordres. Hôtel Soussou. Homme Boyé Biango.
au Canabipso RDC et à Britaki Milulu Munene Oyo Mapengi na Lopoto 9e jeu de la francophonie. Milulu Wana Ezali Kore groupé 39 pays membres. Au Canabipso Sali Manso pour organiser un go. Tu yambi bapaya, tu ebeje bango, basali misala na bango, na ndenge bazongi, na kopanda tout d'abord, ko félicite bino, ko félicite ba komanda na bino, ko félicite garde républicaine, oyo asara ki musala, ko panda le bandeli, ti na suka, sanke kok, connaître Biloko ya Mateo ezali qui prédit parce que Toyoka qui a mort. Que soit qui hors de biso, garde républicaine, Namukolo Oyo, Mokonzi Amboka, le commandant suprême, a présidé le conseil supérieur à la défense. La Katia conseil Wana, Gayo Oyo, commandant la Biro. La Zara qui est invité. Un seul peuple inscrit à l'ordre du jour. Et Zara qui sécurisation la jeune de la francophonie. Avec consigne zéro incident. Et si qu'à effort la vie de Zara qui orienté davantage, c'était la sécurisation du commandant suprême. C'était la sécurisation du président de la République qui n'a pas hésité, lui aussi, de participer à la jeune francophonie Wana. Mais une félicitation spéciale. Et Zali, il y a commandant suprême de la mission, le président Félix Antoine Tshisekedi nous a adressé une félicitation spéciale. Est-ce que Boyambi Ango? Est-ce que Boyambi félicitation spéciale à Mokonzi? Alors, la Wanane la Copa qui ça? La félicitation à l'opinion nationale. La opinion internationale. Il y a partout Nyoso, il y a nation à Bisson Nyoso. Mais marque spéciale, pour sous-sauter Kobakissa, Ezali, Baoba Komaka, Baoba Zali Bosson à Bisson Lelo, ma journaliste, ma athée à ma média, ma Komera Kibiso. Un professionnel, c'est celui qui observe les consignes. Un professionnel, c'est celui qui agit pour l'intérêt de sa mission. Un professionnel, c'est celui qui dissuade.